équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser. Fouiller. Bricoler. Je me disais, à l'aide aimée, cherche. Trouve un moyen pour que ça marche. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret, c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Général allemand. On prend notre courage à deux mains et on se prépare pour le combat d'une vie. On arrive, salope! Étaient tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Group
la place. Ils sont trop nombreux. L'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Est-ce qu'on a gagné ? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné ? Cessez le feu ! On a gagné. On a gagné ! On les a eus ! On les a battus ! On a gagné ! On a gagné ! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr ? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables ? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y ! Allons-y !